continue l'explication des pronoms personnels. Alors, on a pris hier les pronoms personnels. Sujet, on a deux formes, atone et tonique. Forme atone, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, sont des pronoms personnels sujet, viennent avant le verbe. Forme tonique, on a singulier, moi, toi, lui et elle, pluriel, nous, vous, eux et elle, et on a vu des exemples. Maintenant, les pronoms personnels, nous et vous. Le pronom nous ne désigne pas toujours un pluriel. Il peut désigner une seule personne dans les cas suivants. Yani nous, nous savons nos premières personnes du pluriel, mais quand ils viennent dans une phrase, il peut être qu'il n'est pas le pluriel. Exemple, le nous dit de majesté. Quand je veux parler de majesté, l'ihtiram, l'akbar minnak. Nous, président de la République, demandons aux autorités civiles et militaires. Nous, nahnu, président de la République, yani رئيس الجمهورية لما رئيس الجمهورية بده يبعث كتاب يحكي فيه بقول نحن رئيس الجمهورية نطلب aux autorités civiles et militaires للسلطات المدنية والعسكرية إلى آخره فإذا نو هون لأنه هو رئيس الجمهورية أعلى سلطة بالبلد بقول عن حاله نو والملك كمان نفس الشيء بقول نو le nous dit de modestie العكس كمان Nous, ممكن تستعمل للمودستي للتواضع. L'auteur d'un livre, بقول, كاتب أي كتاب, بقول, nous espérons répondre aux besoins des maîtres et des élèves. فإذا ici, il a utilisé le nous. بكون عم يحكي عن حال ومش عن مجموعة. Ça, c'est par rapport à nous. Le vous dit de politesse. Vous, quand vous allez parler avec une personne et vous allez le respecter, vous dites vous. Le pronom vous ne désigne pas nécessairement un pluriel. Il peut être utilisé quand nous nous adressons à une personne qui ne nous est pas familière. Alors, je veux dire que je ne suis pas de la famille. Ou que pire, akbar minne, belle vous. Ou si je suis le directeur, مدير مؤسسة, مدير مدرسة, حتى لو كان مش كبير بالعمر, بنقول له vous. Une jeune fille s'adressant à une dame. Faisan, بنت عم تحكي مع dame. مرة أكبر منها شوي. Voulez-vous, s'il vous plaît, m'accorder une entrevue? La voulez-vous? مع أن عم تحكي مع شخص واحد, une dame. للإحترام, faisan هون. De politesse. Les pronoms compléments. Les pronoms compléments d'objet direct. On a encore des pronoms personnels. Compléments d'objet direct, compléments d'objet indirect. Nous avons travaillé la fois passée un complément d'objet direct ou indirect qui fait bijou de jumelé la maboukoun. Le groupe nominal. Par exemple, il joue au ballon. Il, c'est un sujet, c'est un pronom personnel, n'est-ce pas? Joue, verbe. Il joue au quoi? Au ballon. Alors, il joue au ballon, c'est un complément d'objet indirect. Rayou. Je lis la leçon. Je, encore, c'est un pronom personnel, sujet, lit, verbe. La leçon, c'est quoi? C'est un complément d'objet direct. Maintenant, je peux remplacer ce complément d'objet direct par un pronom personnel. وين بيجي هذا البرونوم بيرسونيل remplacer يعني هذا بمحي بشيله حط محله pronom personnel بيجي avant le verbe هون pronom personnel. Je lis la leçon complément d'objet direct. Par quoi je peux remplacer la leçon? La leçon c'est féminin singulier.
فإذا بقول je la lis هيدا لا لأن جاي قبل الفيرب مش جاي من بعدها نو فإذا هيدا pronom personnel quelle est sa fonction c'est un complément d'objet direct bon on lit les pronoms complément d'objet direct d'ordinaire à ton deviennent toniques à l'impératif affirmatif أول exemple écoute-moi هيدا pronom personnel complément d'objet direct هيدا أتون n'est-ce pas tonique le pronom complément d'objet direct en représente un groupe partitif امتى بستعمل en هو fonction le complément d'objet direct بحل محل un groupe partitif Tu veux du pain هيدا groupe partitif لأنه بلش بدو c'est un article partitif شو بقدر حط محل du pain je peux mettre en وين بتجي en avant le verbe شو بتصير oui j'en veux لأنه عم يسأل سؤال tu je réponds par je oui j'en veux هيدا en c'est un pronom personnel complément d'objet direct À la deuxième personne du singulier de l'impératif. Quel nom on a l'impératif, n'est-ce pas? L'amr, yani. Ou lit, écrit, viens ici, va là-bas. Les verbes du premier groupe ne prennent pas d'es, sauf s'ils sont suivis directement du pronom on ou du pronom i, y. Regarde-moi. Moi, écoute-moi. Haïda, pronom personnel, forme tonique. Donne-en. Regarde, verbe regarder à l'impératif. Amr. Donne-en. Yann Massan Zabdioul. Donne-moi du pain. Par quoi je peux remplacer du pain par en. Ma ptejiron abl le verbe l'anno. Donne, c'est l'impératif. C'est-à-dire donne-en. Donne adatan. Au verbe regarder. Au aya verbe du premier groupe. بالإمبراتيف ما بياخد S أمتى منحط S seulement quand il est suivi de en أو Y qu'il pense-y d'accord les pronoms complément d'objet indirect quand un pronom personnel est complément d'objet indirect il y a deux cas. Il est attendre. Me, te, lui, nous, vous, leur. Et le verbe se construit sans préposition. On l'a dit, j'ai appelé le verbe, pas me mettre de préposition. Il y a à lui, à nous. Ou je lui raconte une histoire. Elle me parle. Aide-lui. C'est un pronom personnel, complément d'objet direct. Les, indirect. Les. لأنه أصل الجملة جو راكونت اون استوار مثلا أعلي أعلي حطينا محلة الوي alors j'ai remplacé أعلي par lui lui vient avant le verbe quelle est sa fonction comme la fonction du complément d'objet indirect اللي كان بالأصل الجملة أعلي c'est un complément d'objet indirect alors lui complément d'objet indirect elle me parle يعني elle parle à moi كانت à moi est complément d'objet indirect. Me, c'est un pronom personnel complément d'objet indirect. Mais c'est la forme tonique qui est utilisée à l'impératif affirmatif. La ma bdi استعمل impératif. Impératif يعني الامر. Bقول dis-moi. Ma bقول me dit. Dis-moi. هذه forme tonique صارت. Encore, deuxième cas, il est tonique, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle, avec certains verbes comme penser, rêver, songer, réfléchir, etc. Quand il désigne une personne, dans ce cas, la préposition est maintenue. Hon, bestamil, la forme tonique, yani, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle, quand j'ai le verbe penser, rêver, songer. Quand il désigne une personne, là, on va parler d'une scène. Je pense à Nada. Ou je pense à elle. À elle,
elle, ça le pronom personnel, complément d'objet indirect. Je rêve à mes parents. À mes parents, complément d'objet indirect. Je pense à eux, un au pluriel. Alors, ils pensent à moi. Moi, c'est une forme tonique. Complément, non, à moi, complément d'objet indirect, pronom personnel. Mais on dit il y pense si le complément d'objet indirect ne désigne pas une personne. Yann, t'artique un exemple. Il n'a pas qu'on a fait personne, mais c'est une forme tonique, moi, toi, lui, elle, hasab. Moi, toi, taf, tu, lui, il. Elle, elle, nous, vous, eux, il avec S. Je pense à mes enfants. À mes enfants, il avec S ou à eux. Quand j'utilise Y, le Y c'est un pronom personnel, complément d'objet indirect. Quand le complément d'objet indirect ne désigne pas une personne, le complément d'objet indirect exprime une personne. Han y, si le complément d'objet indirect ne désigne pas une personne. Mettez le chou, masalan. Je, masalan, je pense au nuage. Au nuage, c'est un complément d'objet indirect. En même temps, nuage, ce n'est pas une personne, c'est une chose. Alors, par quoi je peux remplacer au nuage? Par Y. Je remplace au nuage par Y. Ma fille, où je pense à eux? Eux, basse l'insane. Alors, où est-ce que Y? Où je pense à Y? Non, sir, les mtjihon. Able le verbe. Parce que maintenant, E ou I, deux voyelles, j'enlève le E, c'est j'y pense. J'y pense. Alors, le Y ici, c'est un pronom personnel, complément d'objet indirect. L'anahi, halit aslan matrah, complément d'objet indirect. Je pense à quoi? Au nuage. C'est clair? Vous avez comme devoir le numéro 2. Et numéro 4. Celui qui a une question, il peut me demander sur WhatsApp.